La deuxième action, l'entretien des routes revêtues existantes. La nouvelle loi sur la décentralisation au Cameroun recommande aux communautés urbaines de se doter des stratégies locales pour le développement de leur ville. La décentralisation consacre la gestion des affaires locales aux responsables et élus locaux et reconnaît la pertinence et l'efficacité de la gestion de proximité. Dans le processus d'élaboration de la stratégie de développement de la ville de Déa, la communauté urbaine voudrait s'appuyer sur les orientations sectorielles et spatiales de ces démembrements afin d'assurer leur ancrage avec les objectifs de la vision et du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. À travers la définition de sa vision, la communauté urbaine de Déa voudrait créer un environnement propice au développement des affaires, promouvoir le développement des services sociaux de base ainsi que le développement économique et social de ses populations selon une clé de répartition. La réunion du 18 novembre 2014, tenue dans la salle de conférence de Cameroun Écologie et présidée par le délégué de gouvernement, avait donc pour objectif de permettre aux élus locaux et aux responsables des services de concentrés de l'État d'apporter leur contribution pour plus de pertinence et d'efficacité dans l'élaboration et la validation des plans d'action prioritaires pour la réalisation des objectifs de développement de la ville de Déa. Une analyse comparée du document de la stratégie a été faite en conformité avec les orientations des politiques sectorielles. La méthodologie générale des travaux a consisté à partir d'une exploitation détaillée et judicieuse des documents de stratégie présentés, à dégager la politique d'intervention sectorielle, à identifier les actions conséquentes et à planifier la mise en œuvre de celles-ci sur la période 2015-2022. Les communes se positionneront en fonction des synthèses sectorielles et spatiales des actions de la stratégie de développement de la ville. Les plans d'action prioritaires, opérationnels et pluriannuels seront donc élaborés.